Aloha, c'est Abby pour les portails de l'autoédition. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon vlog souvenir des Imaginales. Un salon dédié à l'imaginaire. Entre les décors incroyables, entre toutes les plumes qui étaient présentes, entre tous les créateurs et toutes les créatrices, entre les historiens, entre les passionnés. Bref, c'était fou. J'ai eu l'impression d'être plongée dans une bulle pendant 4 jours où j'ai pu rencontrer des auteurs et des autrices absolument passionnants. Et j'ai aussi eu le plaisir de revoir ou de voir des personnes que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai assisté à plusieurs conférences qui étaient vraiment très intéressantes sur les dragons dans Game of Thrones, vu par un paléontologue, sur les légendes dans la saga The Witcher. C'était trop cool. C'était vraiment une ambiance incroyable, la météo était en plus bien présente, on avait du super soleil. Le body painting m'a littéralement impressionnée, j'étais fascinée, c'était fou. Vraiment c'est incroyable tout ce talent qu'on peut avoir. J'ai plongé dans tous ces mondes imaginaires, que ce soit par l'écriture, que ce soit par la peinture, que ce soit par la création de toutes sortes. C'était génial, j'avais l'impression de voyager dans le temps par moments. L'ambiance était vraiment présente, c'était sympa, c'était bon enfant. J'ai passé un super week-end. Et du coup, ça me tenait à cœur un peu d'immortaliser tout ça par ce petit vlog-là, pour vous partager un peu de cette magie, finalement, des imaginales. Il est aussi Pipin. Qu'est-ce qu'il est fluffy, on a tellement envie de le papouiller toute la journée. C'était aussi super sympa de pouvoir revoir les copains auteurs et les copines autrices. Et de se faire plaisir aussi, c'est important. Bref, les Imaginales, c'était juste incroyable. Et j'ai très très hâte d'y retourner l'année prochaine. En plus, ma pile à lire n'a pas trop souffert finalement. Elle n'a pas trop souffert parce qu'elle ne s'est gonflée que de 9 ouvrages. Mais j'en ai acheté 5 et j'en ai eu un sixième qui était gratuit en mode livre suspendu. Et les autres c'était des bouquins que j'avais déjà chez moi et que j'ai juste profité de voir les auteurs et les autrices pour pouvoir les faire dédicacer. Donc ça va, j'ai été somme toute raisonnable. En tout cas j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour de nouveau vivre tous ces moments absolument incroyables. Ça a été des tas de discussions, de rencontres, de moments de partage, d'échanges, enfin... C'était génial, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes et je suis très contente de les avoir rencontrées. Et du coup, vivement l'année prochaine. Prenez soin de vous et à tout bientôt.